Elle avait peur. Elle me dit non, elle était là, elle avait peur. Que vous me filmez hier, ce qui s'est passé. Mais, arrêtez là-bas. Tout était programmé. Habite hier comme mon abana ne va pas te matir. Le bon voisin Satan a azamuta lokuta. Satan a azamuta lokuta. Maladie musika nangai. Maladie musika nangai. Kufa musika nangai. Ufa musika nangai. Musika na ndako nangai. Musika na ndako nangai. Musika na bana nangai. Musika na bana nangai. Musika na mwasi nangai. Musika na mwasi nangai. Musika na mobali nangai. Musika na mobali nangai. Na kombo na Yesu Masia. Na kombo na Yesu Masia. Amen. Amen. C'est actif par des Christ ici. Amen. Ossement desséché. Mikua ya kokauka. Écoutez la parole du Seigneur. Yoka liloba na Nzambe. Le cas qui semble être le plus désespéré dans ta vie. En rapport avec ta santé. En rapport avec la santé de ton mari, ta femme ou des enfants à la maison. Là où il n'y a plus d'espoir. Mais Dieu te dit. Et Dieu qualifie cela des ossements desséchés. Mais Dieu te dit prophétise. Loba. Et tu verras que cela s'accomplira tel que la parole de Dieu l'a déclaré. Que le cas le plus désespéré que tu as, maman. Pour ta fille. Il me dit que je vois ici, c'est pour ta fille. Des fois tu crois, des fois tu ne crois pas, des fois. Mais le Seigneur me dit que c'est pour ta fille. Pourquoi Dieu me rapproche vers toi? C'est une grâce. Tu appelles cette maladie-là ossement desséché. Tu es prête à le faire. Tu connais le nom de la maladie. Tu déclares ça maintenant que tu crois sincèrement. Ça sera aussi la guérison intégrale. Toute maladie commence d'abord dans le plan spirituel. Et les dégâts se font voir maintenant dans le plan physique. Connais-tu le nom de la maladie? Oui. Le nom à quelle maladie? C'est le kyste. Kyste. C'est le kyste. Le kyste. Pourquoi quand ça part, ça revient, ça part, ça revient? Quelque part, il y a une porte qui s'ouvre. Tu vas appeler cela, si c'est kyste, c'est quoi là? Tu vas dire que toi, kyste dans la partie intime, n'est-ce pas? De ma fille, n'est-ce pas? Kyste. Dans la partie intime. De ma fille. De ma fille. Répondant au nom de. Voilà comment on bloque maintenant sa bouche parce que elle va prophétiser sur le cas de sa fille. Afin que la maladie quitte le corps. Mais parce que la semence de cette maladie est diabolique, voilà maintenant comment on bloque sa bouche. Elle va déclarer, elle va parler. Pourquoi Dieu peut me ramener seulement vers elle? Et Dieu me dit que c'est pour sa fille. Est-ce qu'elle me l'avait parlé? Elle me l'avait dit? Non.
C'est le Saint-Esprit qui nous conduit partout où vous êtes pour tel ou tel problème. Cela dépend de la grâce de Dieu. Amen. Elle va prophétiser sur le cas de sa fille, oui ou non? Non! Tu as compris que tu as le pouvoir, si tu crois réellement, pour n'importe quel cas qui est désespéré en rapport avec ta santé ou la santé de qui que ce soit, si vous croyez et que vous déclarez la parole de Dieu là-dessus comme prophétie, au nom de Jésus-Christ, laisse-moi te dire que le géant de la maladie va tomber. Amen. Et cela se fait maintenant dans ta vie aussi. Amen. Pour n'importe quel cas et n'importe quel organe de ton corps qui était défectueux, pour le corps de ta femme, de ton mari, ou de tes enfants, ou de tes parents, pour n'importe quel cas, et cas qui était défectueux, laisse-moi te dire, parce que Dieu a permis que je déclare que tout nom donné à ta maladie ou à la maladie dans le corps de ton mari, de ta femme, de tes enfants, que la Bible appelle bien un cas désespéré, donc un ossement desséché, que cela puisse être revêtu maintenant de la chair. Amen. Revêtu de nerfs. Amen. Revêtu de l'esprit. Amen. Et que cela vive maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. C'est acté. C'est Amen. Acté. Amen. C'est acté. Amen. C'est acté. Amen. Et cela au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Ok, sa fille est guérie. C'est à elle maintenant de fermer les portes pour que cela ne revienne plus, parce qu'on vient attaquer la fille, pas les parents. Ok, j'ai déclaré pour ce Christ dans la partie intime de sa fille, hein, que Dieu puisse protéger sa fille ainsi que les parents de la fille, afin que les portes soient fermées et que l'ennemi ne rentre plus jamais. Vous plairez pourquoi? Avec des larmes aux yeux, pourquoi? Hein? Voilà, ils ont des larmes aux yeux pour un cas que tenait Dieu a permis que la grâce soit là ce soir. Cela est pareil également pour ton cas. C'est comme cela que chaque vendredi, nous prions pour des cas de maladies. Chaque mercredi, pour des cas de maladies. Je peux te confirmer du haut de la chair et ici sur la verdure céleste. Si vous croyez, vous verrez la gloire de Dieu. Amen. Et pendant que je me tiens sur cette verdure, c'est bien dit, je suis en alliance avec mon Dieu, le Dieu d'Israël. Quand il avait créé l'Éden, tout était parfait, tout était parfait. Amen. La maladie n'a jamais été programmée dans le corps des gens. C'est le péché qui avait fait cela. Et dans sa miséricorde infinie, il a permis qu'au travers l'œuvre de la croix, que nous puissions être libérés, affranchis, et à travers le meurtrissier de Christ, que nous puissions être guéris. Oh, la grâce de Dieu est là maintenant. Pendant que le Seigneur m'autorise de marcher sur cette verdure céleste, la verdure, c'est-à-dire qu'à l'Éden, tout était parfait. Je vous dis également que toi qui es présent ici et toi qui me suis de partout, que tout organe qui était défectueux en toi puisse recevoir la puissance de la résurrection. Amen. Et redevenir parfait, parfait, parfait comme à l'initial. Amen. Et cela au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Dieu a restauré ta vie. Prends le regard de ton corps qui était défectueux. Dieu a restauré ta santé. Dieu a restauré ta santé. Dieu a restauré ta santé. Que tes yeux s'ouvrent pour voir ce que Dieu a fait dans ta vie. Que soit la grâce de Dieu. Asseyez-vous. Nous allons clôturer par là. Oui, c'est ça. Le fait que Dieu a permis que je marche sur cette verdure céleste et le temps de déclarer, Dieu a remplacé beaucoup d'organes qui étaient défectueux dans le corps. De tous ceux qui sont présents
dans les corps de vos membres de famille et dans les corps de tous ceux qui nous suivent de partout. Et cela au nom de Jésus-Christ pour la gloire de son royaume. Vous êtes en train de verser les larmes, pourquoi? Vous allez la nini. Hein? Hein? Qu'est-ce que j'ai mal fait? Moi, je n'ai fait que parler de la part de Dieu. C'est Dieu qui agit, c'est pas moi. Je suis qu'un simple instrument entre les mains de Dieu. Tu n'as pas le droit de les guérir. Hein? Tu n'as pas le droit de guérir sa fille. J'ai le droit au nom de Jésus-Christ de la part du ciel pour guérir toute personne qui est malade et qui est dans la santé dérangée. Présentement ici, ou ceux qui sont trop loin, même à travers les photos ici. Pendant que je déclare, Dieu fait grâce pour la gloire de son royaume. Ok, c'est fini, on a fini avec vous. Et maintenant, vous avez des larmes aux yeux, pourquoi? Pourquoi le Seigneur m'a conduit vers elle, mais parlant de sa fille? Pourquoi? Parce qu'elle-même, elle doutait. Ah. Oui, elle doutait. Elle ne croyait pas qu'elle était guérie. Ah. Parce que des fois, ça disparaît et puis ça revient. Donc, elle doutait. Non, pourquoi tu m'as conduit seulement vers elle pour parler de sa fille? Pourquoi? Parce que tu as quatre yeux. Moi, j'ai quatre yeux. Ah. Ok, maman, venez ici. Hein? Pourquoi est-ce que tu as parlé de ça? Hein? Nous préparons l'opération pour sa vie et ça va le compliquer. Pour sa vie, il fallait l'opérer. Oui. Voilà le fait d'être présent ici. Même l'opération qui était programmée dans ta vie est annulée. Amen. Dans la vie de ta femme est annulée. Amen. La vie de ton mari est annulée. Amen. La vie de vos parents est annulée. Amen. Et vraiment, famille annulée. Amen. Et cela par décret céleste au nom de Jésus-Christ. Amen. Il préparait déjà une intervention chirurgicale pour son enfant. Parce que le plan était que cet enfant, après l'opération, je crois qu'il a 7 ans, après l'opération, cet enfant ne devait plus concevoir. Hein? Elle aura 7 ans cette année, tu ne le sais pas. Hein? Elle aura 7 ans, tu ne le sais pas. 7 ans. Dans 2 mois, elle aura 7 ans. Je ne sais même pas. Accomplir notre mission, tu ne sais pas. Ok, je ne sais pas, mais ce que je parle, c'est ça. Et on allait l'opérer à cet âge-là. Et quand Agnara Kola, cet enfant ne pourrait jamais plus avoir d'enfant dans sa vie. Que Dieu vous protège. Amen. Vous avez échoué, ils ont échoué dans vos vies. Amen. Maman, le problème est qu'on n'a pas voulu que ton mari vive assez longtemps sur la terre pour ne pas voir les enfants-là que Dieu t'a donnés, qui sont des jumelles. C'est comme cela, je vous dis souvent, accrochez-vous à Dieu, quelles que soient les fatigues, quelles que soient, je ne sais pas, des dérangements, ne manquez pas une occasion de prière dans la maison de Dieu. C'est le cas qui est là-bas sur place. Parce que le dernier enfant, je crois, à 9 ans ou 10 ans, et en tant qu'enfant féconde, lui, il a donné des enfants. Les jumelles qui sont là. Des fois, il y a même d'autres pas, les jumelles sont là. On dit que pourquoi son mari, Amon Abana, ce monsieur ne peut pas voir ses enfants-là. Gloire à Dieu qui a révélé des choses cachées. Gloire à Dieu qui restaure la vie des gens. Amen. Gloire à Dieu qui guérit, qui protège. Amen. Gloire à Dieu qui amène la confusion dans la science. Amen. Vous avez échoué dans la vie de son mari. Je suis fier de le confirmer devant l'Assemblée pour rendre gloire à Dieu. Amen. Pour vous, hier, c'était clôturé pour son mari. Hein? N'est-ce pas? Pour eux, hier, tout était clôturé pour son mari. Et le mari a arrêté. J'étais arrêté là-bas. Il n'a pas de mort, il m'a tué mon pépé. Ah, ah. Et le mari disait qu'il faisait un grand d'argent. Heureusement que la femme tenait à ce qu'il reste encore à l'itier là-bas. Il lui a permis que j'arrive dans sa miséricorde, prier. Il a demandé seulement de dormir ici à la verdure. Et c'est là qu'il a reçu la restauration. Ok. Pourquoi aviez-vous flanqué cette flèche, n'est-ce pas, dans le corps de son mari? Pourquoi? Et vous avez échoué, comme Dieu a échoué dans ta vie. Amen. Dans la vie de ta femme,
de ton mari et de ce que de vos enfants. Amen. Et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Pourquoi avez-vous lancé cette flèche maléfique pour déstabiliser la santé de son mari? Gloire à Dieu parce que vous avez échoué. Pour eux, hier, tout était programmé, c'était la mort. Donc ça, le programme Yakufa Ponayo, Kobangati, Karaman Nzambe. Yoko Tatamone Nzambe. Amen. Bango Bako Sabwa. Amen. Pourquoi avez-vous placé cette flèche maléfique pour détruire la santé de son mari? Ponani. Hein? Hein? Lobby. Na baby si. Vous qui est déjà. Déjà depuis 14 heures. Hein? Depuis 14 heures. Vous mettez une flèche one. Depuis 14 heures, mettez une flèche. Il y a des beaux sauts, mettez qui est dimanche nanda. Mettez les mots, c'est à bimina bana boy, il y a bima qui na veranda. Ça va te réussir. Moi, si tu peux, c'est que mon thème, chauffeur, on a un yate comme ça, zong après des premières parties. Tu es bien qu'il y a zong après première partie. Alors, il y a un chauffeur, il y a un yate, tu es zong. Bon, tu es bête, il y a un ton l'air, il y a un bimaka. Il y a la mouka, il y a un caprié, il y a un rapport, il y a un répondant. Et tu es mon corps. Monsieur, on a zonga, a tikali na kindoki no tiki na 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 suka. Pe quel fait ça malade nini? Pema. Pema, tu penses que pema? Pema malade en bois. Lobby penze zala ki ok na 14 heures. Ah, bon, quand ça que basi va réussir. Mais Dieu permettra pour me rabattre sans voyer au tas de camionnets ensemble. Amen. Vous avez invoqué mon roi Nwan. Tiens, qu'on a déjà na. Bon point, Yabimaki. Aïe, à quoi m'inanda kundoki na bondoki na yo, pesa bango biloko, pesa bango. Donc, tu comprenais qu'il pétait nini, il fallait que tu te laisses là, tu te tout ici, à ton tout aïe, à l'équipe. À Kenda. Donc, on est qui souka ya lobby à 14 heures. Dernier qui vote. Les chouanais, donc, on a vu ce tobeta qui, donc, Kindingu penza. So kika kea zala kia haa kupi owana. Eka tata. Eza flesh ni wana. Kome na onini? Gromo. Gromo. Gromo augata uzai mashika. So ito invoke ango pa mutu. Eza anabo pito. So ito invoke ango deja. Gromo. Nani? Gromo nani? Gromo, augata, auzai mashika. Mon pépé, qu'on souffle, mais on va qu'on te dire, bien sûr, tu es en train de faire. Josué, tu es bête qui est lobby de bureau. Ma bureau, on a lobby. Tu es en gros lobby de bureau. Les bêtises, maïe, tu es rien, tu es déjà, ok, ok. Donc, c'est mon union, c'est coquille. Tu es bête qui est lobby, tu es dans ton long. Aboye que la prière. Lobby, voyez qu'il est bon. Dieu demandait Saint-Bala de Saya. Alors là, qui a la tête de classe. C'est bien lobby, non?
atamuri pe kimi bangwa mona kite lobi hein bisiba maka biloko ne bi mapamba pamba telema le bas stratégie nyonso stratégie nyonso o bazo préparé o bazo préparé o ezali réserve na bango o eza réserve na bango pona bango era takati pona ko détruire santé nangai pona ko détruire santé nangai santé ya mobali nangai santé ya mobali nangai ya mwasi nangai ya mwasi nangai ya bana nangai ya bana nangai ya bakoko nangai ya bakoko nangai ya bapara nangai ya bapara nangai bango bazana kombo na bango bango bazana bakombo na bango o balobaka o bango balobaka même na ba hôpital même na ba hôpital ngai Gai. Nazana kombo semoko. Nazana kombo semoko. Yesu Masia. Yesu Masia. Nazo déclaré. Nazo déclaré. Ngai. Ngai. Mobali nangai. Mobali nangai. Mwasi nangai. Mwasi nangai. Bana nangai. Bana nangai. Nous appartenons. Nous appartenons à l'ordre suprême. À l'ordre suprême. L'ordre. L'ordre. Du lion de la tribu de Juda. L'ordre, l'ordre de Jésus-Christ de Nazareth. Voilà, ça neutralise mon abandon n'importe quel mot. Oh bah bête, t'as un abo pitoté dans ta conayo. Voilà, bangonyoso. Voilà, bakombonyoso. Pouvoir na bangonyoso. Baby Sami, na kombo na Yesu Masia. Bangonyoso est annulé na vinayo. Nandako na yo, Amen. Na bana na yo, Amen. Na ripana na yo, Amen. Na baboti na yo, Amen. Na komores masia. Amen. C'est acté par décret céleste. Amen. Namo na yo, Yesu. Namo na yo. Na simba yo, Yesu. Na simba. Na nyako kanina yo. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Alléluia. 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 Nanya ko kanina yo. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. 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 Amen. Soki na moni zambe ko sala e. Nako banga zambe. Hey Yahweh. Nako banga zambe. Soki na moni loboko ya Yahweh. Oh, nanya kokani na yo. Alleluia. Alleluia. Amen. Alleluia. 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 Oh, alleluia, hosanna. Alleluia. Hosanna na Yahweh. Alleluia. Hosanna na Yahweh. Alleluia. Hosanna. Alleluia. Hosanna. Alleluia. Papa. Alleluia. 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 Merci Seigneur. Alleluia. Que l'éternel Dieu, le Dieu de toute grâce, vous protège. Que la guérison qui vient d'être libérée ici soit intégrée dans vos corps. Amen. Dans vos maisons. Amen. Dans vos familles. Amen. Que votre chemin de retour soit plongé dans le sang de Jésus-Christ. Shalom. Merci Seigneur.